Salut à tous sur Tutograph Universe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un énorme bug sur la 0.13. Je l'ai trouvé comme ça par hasard en essayant d'adopter un lapin. C'est censé s'adopter, donc je faisais des petits tests comme ça par-ci par-là sur la 0.13 pour ensuite faire une vidéo, mais j'ai découvert un très 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 gros bug. C'est-à-dire que le bug que je vais vous présenter peut rendre des animaux invisibles en voyant que la tête. Et j'ai réussi à faire ça avec le PNJ en tombant par hasard. Donc pour ce faire, vous aurez besoin soit de faire un trou ou soit de faire un mur. De 4 de long pour qu'à l'intérieur ça fasse un trou de 3 par 3. Donc à la fin de la vidéo, je montrerai quelques images que j'ai pris en screenshot, mais c'est un truc vraiment énorme, si je peux dire. C'est que j'étais en survival. Et je m'étais cheaté des trucs avec l'application Pocket Inventor pour je m'étais cheaté les carottes et il me restait un œuf de PNJ dans l'inventaire. Donc j'ai fait spawn et là il était invisible. Il n'y avait plus que la tête qui se voyait. Donc on va se faire spawn 1. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je crois que j'ai découvert un autre bug en vidéo. Donc, je vais retourner sur la map sur laquelle j'ai trouvé le PNJ. Vous allez voir, c'est affolant. Attention. J'espère qu'il va être encore là. Donc vous voyez, il est en face de vous. Voilà. Il est juste là, mais il est invisible. Comme vous voyez, il y a l'ombre du personnage, mais le personnage n'est pas là. Vous pouvez constater que je le pousse. C'est vraiment, je trouve c'est très étrange d'avoir un PNJ invisible chez soi ou comme ça dans la nature. Imaginez un village de PNJ où les PNJ sont invisibles. Donc, je vous laisse imaginer. Plus, j'ai un petit bonus, c'est-à-dire qu'il est juste ici, un temple du désert en 0.13 build 1. Donc j'ai déjà pris les coffres, mais un temple du désert ressemble à ceci. Dans les coffres, vous pourrez trouver soit du diamant, soit du fer, plein de trucs comme ça, enfin plein de minerais, comme le fer, l'or, quelques diamants rarement, et des os, des squelettes. Et je viens de trouver la masse. Comme vous voyez, tout ce que j'ai dans l'inventaire, tout ce que j'ai trouvé dedans. C'est-à-dire les os, le fer, la chair putréfiée. J'avais aussi de l'or. C'est parti parce que je me suis changé, je m'étais mis en créatif. Donc voilà, ça ressemble à ça, un temple du désert. Et quand vous rentrez dedans, faites attention parce qu'au milieu, il y a une plaque de pression qui allume la TNT qui est en dessous. J'ai retiré, j'ai dans l'inventaire, vous pouvez constater, il y en a 9. Quand vous tombez, ça active la plaque qui est juste en dessous, et la plaque qui est en dessous, enfin la plaque celle qui est en dessous moi, active les TNT qui sont en dessous les blocs. Et ça fait tout exploser, donc plus de blocs, enfin plus de coffres plutôt, et après il n'y a plus rien.
Donc les coffres se trouvent comme ceci. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fait de la hauteur. Donc faut mieux pas tomber de là-haut. Parce que si vous chutez mal et que vous frôlez la plaque de pression, bah c'est mort, tout va exploser. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter, ça vous fait plaisir. Et sinon, si vous avez des thèmes de vidéos à me proposer, par exemple, je sais que je vais faire une survie en 0.13, et ben n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Peut-être que j'en sélectionnerai. Et je vous dis à la prochaine, c'était TutoCraft Universe. Bye!